que j'ai eu le privilège et le plaisir d'entendre il y a quelques mois à peine. Dont le nom sent déjà bon le sous-bois, la forêt. Mais ce n'est pas pour son patronyme que je l'aime, c'est pour une phrase du premier chapitre de ses cartes. Nous saluons notre grand Charles Aznavour, qui nous fait l'honneur de venir pour la troisième fois. On peut dire que c'est un homme pressé, mais qui prend son temps pour venir à Champsaux, Préloge. Merci infiniment. Le prix Éternel Jeunesse, qui est un livre que je ne peux pas ouvrir sans lâcher le micro, mais qui est un livre... des chansons de Béranger dans une édition que le bouquiniste de Loche a cherché pour vous de 1880. Et c'est donc ce beau livre que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous remettre, cher Charles Aznavour. Et que nous avons décidé avec une chaîne de la télévision l'année prochaine, pour la fin de l'année, de commencer une série d'émissions. Tous les chanteurs, quels qu'ils soient, viendront chanter les chansons des autres. Je ne suis pas un passéiste, mais je n'ai rien abandonné de mon passé. Je n'ai rien oublié de mon passé. Et ça, c'est une vraie leçon de vie à donner. Le passéiste, c'est quelqu'un qui pleure sur son passé. Moi, au contraire, je souris sur mon passé. Pas du tout la même chose. Je veux rester ce que je suis parce que je suis en face de gens qui sont ce qu'ils sont et qui ont peut-être le même vécu que moi. Merci infiniment. Vraiment merci. C'est la première fois que je remercie Gonzague de m'inviter parce que c'est un honneur, vraiment un honneur. Merci beaucoup. C'est aussi un grand plaisir pour moi d'être ici. Je vois tellement de monde qui est ici pour la lecture, l'émotion et la nature. C'est formidable parce qu'on avait parlé beaucoup ce matin des valeurs dans la vie, les valeurs qui sont importantes. Et je crois qu'il y a plus que jamais dans notre civilisation, on a besoin de vraiment regarder vraiment très près de toutes nos valeurs, de comment on va continuer de vivre ensemble sur cette planète qui est fantastique avant qu'on la détruise. Vraiment exactement qu'est-ce que c'était la musique classique et je voulais partager ça, ce parcours aux jeunes chanteurs dont je n'aurais pas le temps de l'enseigner. C'est ça qui est extraordinaire. Non, parce que moi je ne sais rien. Est-ce que c'est... Ouais, non, bah justement, mais il avait pris mon stylo, donc je voulais... Merci. Merci.